les filles. Parc sur le Nil. Mon piano, il est cassé. Eh ben. Comment c'est arrivé? Je suis montée sur ma chaise en haut pour l'attraper en haut de la commode et là, Galaxy m'a sauté dessus. J'ai perdu l'équilibre et voilà le résultat. Oh, ce chat! Tu ne t'es pas fait mal au moins? Non. Bon, écoute, Hugo, pour ton piano, c'est pas grave. Je vais regarder ce matin sur internet et je vais essayer de t'en trouver un tout neuf. Le même. D'accord? D'accord. Qui va te jouer un joli petit air avec ce nouveau piano? Maman et son frère Jacques, le seul et unique refrain qu'elle connaisse. Coquin va. Qu'en êtes-vous sur le projet des benzoïdes? Je vous rappelle que vous avez un jalon à honorer dans moins de 3 jours. Et ce n'est pas en travaillant de cette façon que vous obtiendrez votre prime de fin d'année. Bonjour. Vous aurez votre document en temps et en heure sur votre bureau. Très bien, mais faites vite. Qu'est-ce qui peut m'énerver, celle-là? Oh là là, elle pourrait au moins dire bonjour. Qu'est-ce que je me moque de sa prime de 50 euros? L'avenir, il est là, dans ses documents. Salut Claire. Oui, salut. Oula, ça a pas l'air d'aller ce matin. Si, si, ça va. Ah bon. Bon, je te laisse, j'ai la visite. À ce soir. Oui, oui, à ce soir. Moi aussi, je t'embrasse. Oui, à ce soir, à ce soir. Bonjour Claire, quelle entrée. Que t'arrêtes-tu de si bon matin? Ça te ressemble pas de débarquer ici à l'improviste? J'ai failli faire un infarctus, moi. Si, si, je t'assure. Puis figure-toi que j'étais au téléphone, en pleine conversation avec Caroline. Figure-toi que je crois que j'ai trouvé la perle rare. Elle est mais d'une beauté. Écoute, elle Simon, tes aventures avec ta nouvelle copine, c'est bien beau, mais ça ne fait pas avancer la science. Oh, excuse-moi, Simon. Ne fais pas la tête. Ce que j'ai à t'annoncer est absolument extraordinaire. Tout est là dans ces documents. J'ai enfin terminé. Tu ne comprends pas? Je vais te rafraîchir la mémoire, chère collègue. Regarde, tout est là dans ces dossiers. Ne me dis pas que... Si, si. Yes! La poudre d'invisibilité, ce n'est plus un mythe, elle existe vraiment maintenant. Fabuleux, tu es extraordinaire. 10 ans de recherche, de travaux, tu t'es donné à fond. C'est une vraie récompense. Oh, je suis fière de toi. Chut, bravo. Sans toi, je ne serais pas parvenue à finaliser mes recherches, à réaliser mon rêve de petite fille. Moi qui ai toujours adoré la magie. Heureusement que nous n'avons informé personne de nos travaux. Oh que oui, si on l'avait fait, une telle découverte aurait attiré des gens opportunistes. Et puis c'est sûr, tu n'aurais pas pu aboutir si tu n'avais pas travaillé dans le secret. Aujourd'hui, le résultat, il est là. Dis, on jette un coup d'œil sur le dossier et on va au resto fêter ça. Ça te dit? Excellente idée. Yes! Tu as eu raison de ne rien dire. Bon, au boulot, on se serait fait voler la politesse, c'est tout. Mais dehors,
Qui sait ce qu'on peut en faire de cette poudre? Tu parles de terrorisme, c'est vrai. Je ne sais même plus depuis combien d'années on est en Vigipirate Rouge. Allô? C'est Yulbon pour la transaction. Quelle transaction? Qui êtes-vous? Pour le piano. Vous étiez d'accord? Ah oui, le piano. J'y pensais plus. Oui, je suis toujours intéressée. Sur le banc du bassin des Coupières. Au bassin de la Coupière, sur le banc. 13h30. Oui. Mais quel banc? Allô? Allô? On a raccroché au nez. Bizarre. Il devait être pressé. C'est quoi cette histoire de piano? Hugo a cassé son piano ce matin. Et comme il était triste, je lui ai promis que je lui en achèterai un autre. Donc je suis allée sur Internet et je trouvais une annonce intéressante. D'où ce coup de fil? Bon, un peu bizarre certes. Mais bon, principal, c'est que j'ai trouvé un piano pour Hugo. C'est Hugo qui va être content. Oh oui. Portons un toast au piano et à la poudre. Cheers. Espèce de folding, t'as envie de te faire écraser ou quoi? Jamais vu ça! Bonjour, c'est pour le piano? Ne vous retournez pas. Il en va de votre vie et celle de votre famille. Que me voulez-vous? Ne parlez pas. Écoutez seulement ce que je vais vous dire. Le piano est sous le banc. Composez-le à voulu avant 15 heures, sinon game over. Mais de quelle heure parlez-vous? Et pourquoi game over? Oui, quand vous voulez. Rendez-vous chez vous à 19h avec la formule complète. Sinon, game over. J'ai pris le piano sous le banc et j'ai composé l'air voulu. C'est-à-dire, c'est le seul que je connaisse. Frère Jacques. Alors, tu sais ce qui s'est passé? J'ai reçu un SMS sur mon portable, oui, un SMS. Je compose un air et je reçois un SMS sur le portable. Vraiment bizarre. Et tu sais ce qu'il y avait sur ce SMS? Oui, mais bien sûr! Ils veulent la recette de la poudre d'invisibilité. Je devrais en informer Pierre. Oui, il pourrait me protéger, ces malfrats. Mais d'un autre côté, si ces mecs ont des armes, il ne fera pas le poids. Pourquoi ils m'ont donné rendez-vous chez moi? Et pourquoi ils veulent mêler ma famille à tout ça? Écoute, Claire, tu es surmenée. Tu devrais être reposée. Tu t'es beaucoup investie les dernières semaines, et là, la fatigue se fait franchement sentir. Rentre chez toi, repose-toi, détends-toi. Tu ne me crois pas? Tu crois que j'ai tout inventé? Je vais te le prouver que cette histoire est vraie. Je vais te montrer le SMS de petites secondes. Oh non! Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai effacé la seule preuve que j'avais! Écoute, Claire, tu devrais rentrer chez toi. Tu ne veux pas m'aider? Très bien.
Eh bien, c'est la poudre d'invisibilité qui m'aidera et qui fera disparaître tous mes problèmes. Claire! Chez Hugo. Oui, je te remercie. Bisous. C'est pas vrai! Tout s'en mêle aujourd'hui! Un mauvais rêve. Hugo avait cassé son piano. Je te raconterai. Hugo! Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Mon piano, il est cassé. Comment c'est arrivé?